Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement là avec nous pour écouter cette émission. Ce soir, en compagnie de Gabriel Gallion. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je ne sais plus s'il faut dire tu ou vous, je ne vais pas me faire rabouer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tu es de retour. Bon, d'accord, il est de retour. Là, vous ne prenez aucun risque. Ouais, il est de retour. Non, oh, bah, c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai senti tellement en forme là, tous les trois dimanches que je n'ai pas envie de me faire rabouer ce soir. Bonsoir, Michel Bonchy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de dire que Gabriel Gallion, c'est consenti. Mais oui. En consenti. Michel Bonchy, c'est le journal Justice, rédacteur en chef de Justice. Voilà. Notre ami, j'oublie tout le monde ce soir. Daniel Compère s'excuse de ne pas être avec nous ce soir. C'est le rédacteur en chef donc, du journal Le Progressiste. Et nous sommes aussi avec Eddy Marajou. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Boss du... Business. Business, on ne parle pas des autres pour l'instant. Oui. Business, d'accord. Business. Voilà. Alors, votre semaine, elle a bien commencé, messieurs, ça a été. Vous avez passé une excellente semaine, ça va? Beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions, comme d'habitude. Tu n'as pas dû dormir beaucoup, Michel, c'est José. Oui, parce qu'il faut travailler, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'il est dit. On dit, on a montré un coq avec une patte cassée, je crois, la 7e. Oui, oui. Alors, c'était, finalement, qui avait mis ce coq-là? C'était les grévistes, c'était qui, finalement? Mais on vous l'attachait qui? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ça fait partie du folklore martiniquais. Bon, c'est une... Mais ceci dit, bon, pour répondre plus fondamentalement à la question, c'est que, contrairement à ce qui se dit, les élus martiniquais travaillent. Voilà. Voilà. Et qu'effectivement, alors, ils ne sont pas toujours devant un micro, devant une caméra de télévision, pour montrer « je travaille ». Bien. Voilà. Mais par contre... Il travaille à l'avenir, à la construction. Je répète, parce que certains font semblant de ne pas comprendre, qu'il s'agit de la construction d'une institution nouvelle. Quels sont ces certains? Certains. Pas des gens de la presse, non? Oui, y compris de la presse. Y compris de la presse, des médias. Ah bon? y compris de personnes de mauvaise foi qui continuent à croire qu'il s'agit simplement d'une succession dans une collectivité qui existait déjà, ou de simplement un changement d'équipe, alors qu'il faut, c'est à la fois un changement d'équipe, mais surtout la construction d'une entité dont il n'y a aucun exemple dans le cadre de la République française actuelle, y compris en Corse, y compris en Guyane. D'accord. Et que par conséquent... Comment ça en Corse? La Corse, les deux départements existent toujours. Par conséquent, il n'y a pas la fusion département-région comme ça existe. Il y a un conseil exécutif, il y a une assemblée de Corse, mais il y a quand même qui a des compétences strictement régionales. D'accord. En Corse. Alors qu'ici, il y a à la fois il y a la fusion du département et de la région, avec une architecture institutionnelle nouvelle. Alors avant de changer de sujet, sur la CTM, est-ce que tu peux nous dire ce qui a été acté? Puisque bon, maintenant, ça y est, la grève est finie, tout le monde a repris le travail. Pour le moment, je sais qu'il y a une réunion cet après-midi ou aujourd'hui pour continuer à discuter. Principalement, ce que je sais, c'est qu'il y avait d'abord, qui a été avancé le problème des renouvellements de contrats. Mm-hmm. Bon, alors je peux vous dire quand même qu'il y a 4200... 41 agents à la collectivité territoriale. Mais sur les 600 contrats qui étaient... Et il y a 644 contrats non permanents. Bon. Et... Alors sur les 644, combien alors, vont être conservés alors, à peu près alors, on ne sait pas encore pour l'instant. Ceci est toujours encore en cours d'accord, de discussion. Bon, très bien. François Hollande, président de la République française, qui... cherchait Emmanuel Macron dans la foule. Il ne comprenait pas, mais il est où Emmanuel? Et il semblerait qu'Emmanuel Macron aurait dit que lorsqu'on nomme quelques ministres, c'est pour qu'ils travaillent pour la France et non pour être l'obligé du président.
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, c'est une phrase grave à certains commentateurs de l'autre côté qui disent, ouais, si c'était notre président, si c'était Sarkozy ou notre président Macron ait déjà été remercié. Qu'est-ce que vous en pensez là? Parce qu'on va en parler souvent de cette histoire de Macron, de Hollande, jusqu'à pendant encore quelques mois. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas de commentaire là-dessus? Comment c'est sur Macron. Juste, je crois que peut-être qu'il y, y en a qui confondent les rôles, ils oublient un petit peu le fonctionnement des institutions. Un ministre est membre d'un gouvernement, nommé par le président de la République. Oui. Donc comment, si Macron dit le ministre n'est pas l'obligé du président de la République, il y a un petit souci. Le ministre n'est pas élu par le Parlement. Le ministre n'est pas autoproclamé ministre. Ils font partie, il est nommé dans un gouvernement, lequel gouvernement est constitué par le Premier ministre et nommé par le président de la République. Si le, compte tenu du fonctionnement des institutions de la Ve République, si le président de la République ne veut pas d'un tel ministre, il n'est pas ministre. Bien sûr. Il suffit de reprendre, et s'il y en a qui ont des doutes, il suffit de reprendre un petit peu les livres qui sont sortis sur la cohabitation. Mmh. On s'aperçoit que ce soit Chirac ou Balladur, quand ils discutaient avec Mitterrand et quand c'était Jospin avec Chirac, quand ils discutaient la composition du gouvernement, quand il y avait le veto du président sur un poste et quelqu'un à un poste, bien, en général, le Premier ministre, il cédait. Mmh. Donc, un ministre est nommé par le président de la République. Alors, si le ministre estime qu'il n'est pas redevable de sa nomination à quelqu'un... En fait, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que si on le nomme, si on nomme un ministre, c'est parce qu'on estime qu'il peut faire un travail pour la France. Mais c'est pas pour être l'obligé du président. Mais c'est ça le problème. Il est nommé à ce poste pour faire un travail parce que le président estime qu'il peut le faire. Donc il est obligé du président. Bien. Non, mais il me semble. Il faut quand même recadrer un peu parce que Macron, il n'a pas dit spontanément je ne me sens pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit un président ne nomme pas un ministre pour en faire son obligé. C'est ça qu'il a dit. Parce que la manière dont vos collègues de l'autre côté La presse, complètement. Enfin, la presse. C'est pas moi, c'est la presse là-bas. Pas la presse. Nous sommes presse, on doit avoir les bonnes citations. Voilà, France 2 change la citation. La citation, je vais vous la lire. J'ai une loyauté personnelle envers François Hollande. Je lui dois, et là tu as raison, je lui dois de m'avoir fait confiance et de m'avoir nommé au gouvernement. En même temps, lorsqu'un président nomme quelques ministres, il le fait parce qu'il pense que c'est bon pour son pays, pas pour en faire son obligé. Voilà. Et évidemment, comme on est dans une tendance, Macron prend la liberté. Ceci étant, c'est aussi l'ajout, pas son obligé, l'ajout qui suscite tout. Je pense qu'il aurait dû méditer beaucoup la parole de Jean-Pierre Chevènement à l'époque, qui avait dit, lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on est ministre, on ferme sa gueule, si on n'est pas d'accord, on s'en va. Bon. Non, mais c'est lié au fait, parce que bon, je pense que les médias ont pas compris pourquoi Macron a lancé un mouvement politique. Le calcul derrière tout ça, et il l'a redit aux États-Unis, au Royaume-Uni, il a dit, mais vous savez, si, en clair, François Hollande n'est pas encore mort, il y a un sondage qui dit, si c'est Juppé a 36, Marine a 22, et évidemment, l'autre, Hollande, il a 12, donc il est mort. Tout le monde ici partage cette opinion. Il y a un deuxième sondage qui dit, si c'est Sarkozy, Marine a 26, Sarko a 16, Hollande a 14. Enfin, quand on fait un sondage 16-14, c'est que... OK ? À 2% près, donc, et c'est la marge d'erreur. Mais oui, la marge d'erreur, c'est 5. Donc, ça veut dire en clair que ce que Hollande doit faire, un, il a compris, c'est faire en sorte que Juppé ne gagne pas la primaire, donc faire en sorte que Sarkozy... Et encore une légitimité, on va dire, judiciaire. Donc une liberté judiciaire. Donc il ne soit pas condamné, quoi. Voilà, il ne faut pas qu'il soit condamné. Je croyais qu'il y avait une séparation. Non, d'accord. On continue. On l'a déjà dit ici. Michel l'a déjà répété. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ce qui est un titre de M. Michel Audiard, une de ses phrases, je vois que Michel a quelques classiques. Il a une vraie culture. Ceci étant, au moment où Audiard sort cette phrase, nous sommes dans les années 70, nous sommes en 2016, et qu'en général, depuis quelque temps, les juges ont fort tendance à prendre une certaine liberté et de s'appuyer sur leur indépendance. Donc, messieurs, je ne ferai pas trop de paris dessus. Oui, d'accord. D'autant que Sarkozy a un contentieux avec certains courants de la magistrature.
Mais parce qu'il serait tenté. C'est parce qu'il était sur le mieux des cons, je crois. Non exactement. Mais oui. Pas que ça. Bon, j'avais pas fini. Faire en sorte que Sarkozy soit le gagnant des primaires. Seulement des primaires. Oui, d'abord des primaires, pour que. Et puis, multiplier les candidatures. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont sortis de nulle part, qui vont. Parce que quand on multiplie les candidatures, comme vous n'avez que 14% d'intention de vote, les 14%, c'est vraiment ce qu'il reste. Donc les autres vont prendre là où il y a du gras. Et là où il y a du gras, c'est évidemment sur Marine Le Pen et sur le candidat de droite traditionnel. Et à mon avis, il y aura beaucoup de candidats de gauche et beaucoup de candidats de droite qui ne respecteront pas la consigne une fois la primaire gagnée. Vous avez vu que Ramayad est candidate. Oui. OK. Ouais, bon. Mais bon. J'ai tendance à penser, comme la dernière fois, que tout cela nous éloigne des préoccupations réelles des Français et qu'il y a un petit jeu, là encore je vais mettre en cause les médias, il y a un petit peu jeu des médias il est rédacteur en chef de médias. Je ne suis pas dans l'oligarchie des médias. Bien. Bon. Je ne suis pas dans le petit groupe qui a été racheté par un certain nombre de grandes puissances financières et qui prétend confisquer la parole citoyenne au bénéfice. En France, dans les grands pays, il y a un petit nombre de médias qui comptent. Il y a une petite camarilla de 50 ou 100 personnes en France qui prétendent faire l'opinion et qui de plus en plus d'ailleurs sont rejetés par les citoyens, y compris les sondages. Bon, alors donc on est la candidature de Macron est lancée pour essayer de voir si on peut vendre le libéralisme avec un visage plus jeune, mais des vieilles recettes qui datent du 19e siècle. Même si elles sont. Mais en fait, c'est pour semer la zizanie, parce que. Exactement. Alors, au profit de qui ça peut profiter? Bon, alors, le fait est, je rejoins mes confrères, le fait est, c'est que quand on est dans une équipe, on ne crache pas dans la soupe. Voilà. Et s'il continue comme ça, c'est pas vrai. Et tu viens de nous le prouver, parce que tu ne nous as pas donné les derniers. Il y a un minimum de. Ben, ne cherche pas. Il y a un minimum de loyauté en politique. Et ce n'est pas que quand on est dans la mêlée qu'on s'en sort et qu'on joue perso. Parce qu'on est mort. Bien. En général, bon. Mêlée, si on arrive à sortir la tête, on a un souci. Voilà. Physique, tout de suite. Alors, la tradition politique des jeunes loups, c'est de sortir de la mêlée avant le combat. Juste avant le combat. Le combat a fini, vous avez dit, ou pas, t'es là? Mais non, moi sorti avant. Je l'avais déjà dit. Alors, puisqu'on parle de notre président Hollande, qui est en ce moment en balade dans les pays, là. Du Moyen-Orient. Partout. Bah non, tu peux avoir un autre langage, je veux dire, en balade dans les pays. Le type, en visite officielle, excusez-moi. Mais quand on est. Ça te dégage l'autre balade qui est même bas là, alors mettez bas pour bas là-bas, moi. Alors, le président Hollande est en visite officielle dans les pays. Du pays. Du pays. Les intérêts militaires, financiers de la France. Voilà. De l'impérialisme français. Oui, mais la CGT veille à ce qu'il y ait de l'emploi dans les arsenaux. Non, mais en fait, c'est qu'en ce moment, l'actualité est un petit peu basée sur Hollande avec tout ça. Et puis, avec les trois morts chez les militaires, avec la cérémonie qui a eu lieu, tout ça. Donc, c'est pour ça. Pendant qu'on parlait d'Hollande, je pensais à tout ça, à ce cher président. Oui. Bon, il est certain que la France est en train, me semble-t-il, de récolter un certain nombre d'erreurs et de mauvais choix de sa politique, notamment au Moyen-Orient. Il y avait une politique française relativement indépendante depuis De Gaulle au Moyen-Orient qui faisait que la France pouvait jouer un rôle de conciliation. Or, manifestement, la France a choisi le camp du salafisme, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'elle est out, par exemple, dans la négociation concernant la Syrie.
Bon. Alors, on va revenir un petit peu à la Martinique et on va parler de la mobilisation des élèves du lycée Shell-Cher. Gabriel, est-ce que tu as fait un papier sur ça, sur Fonsanti? Fonsanti a fait un papier. Ouais. Tu n'as pas lu Fonsanti? C'est pas... Ouais. Maintenant, tu tends les bâtons. Tu tends les bâtons. Oui, oui, oui. Fonsanti a fait des papiers. Alors, cette mobilisation des élèves du lycée Shell-Cher, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que j'ai regardé un petit peu les nouvelles, j'ai pas lu Fonsanti, j'ai pas eu le temps, parce qu'à cette heure-là, bon, bref. Et les élèves du lycée Shell-Cher vont être transférés du côté du lycée de Bellevue. Ouais. Et plus on va rajouter des mobiles hommes. Est-ce que. Ça vous paraît comment, vous qui suivez l'actualité? Il y a un élément qui est quand même... Il faut qu'on dise un peu la vérité aux gens. Mais c'est pour ça qu'on parle mais, de ça. Et non, parce que parfois, les gens nous disent « Ouais, mais pourquoi vous dites des choses comme ça ?» Oui, oui, moi j'ai rencontré des gens, mais pourquoi vous dites la vérité? Oui, c'est vrai. Parce que, d'accord, vous savez, et Michel peut témoigner, on a eu des années d'aliénation, hein, où il ne fallait pas dire les choses. Moi, je me replonge avec mon magazine, là, je me replonge dans FR3, dans Télévision Martinique, etc. Bon. L'ORTF. L'ORTF. Bon, bref, il n'y a pas que ça. Il y a Fonsanti au tout début. Il y a une très, très bonne émission sur France O qui décrivait les débuts de Fonsanti. Bon. Et de la presse, pas que Fonsanti, de la presse écrite. Cette époque a changé. C'est depuis l'arrivée de Gabriel. Cette époque a changé. À l'époque de Mangatal, déjà à la fin, Mangatal avait un petit peu changé l'orientation de Fonsanti. Donc on n'est plus dans la même époque. On n'est plus dans la même époque. Donc il faut dire la vérité. Très clairement aujourd'hui, l'histoire du lycée Shell-Cher est d'abord et avant tout une histoire politique et symbolique. Okay ? Parce que quand on regarde la courbe démographique, et on sait ce que ça va donner sur les 10 ans qui viennent. Il faut le dire, on n'a pas besoin du lycée Shell-Cher tel qu'il est là pour loger les élèves du lycée Shell-Cher. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a tellement plus d'élèves dans les lycées qu'on va manquer, on va manquer d'élèves dans les lycées. Or, donc le choix est entre un choix pragmatique qui est de dire, bon, attendez, OK, c'est sympathique, mais... Ce lycée risque de tomber sur la gueule de nos enfants et de tuer nos enfants et de tuer les profs qui vont avec. D'accord ? Si on avait un gros problème de place parce qu'il y a une énorme demande, il fallait vite le reconstruire pour accueillir les nouvelles recrues. Or, le problème, c'est que tous les lycées aux alentours ont perdu des centaines, voire au total, des milliers de places. OK ? De gosses. Donc, les chercheurs, c'est 1000 et quelques. Donc, si on a perdu des milliers autour, ça veut dire en clair qu'il y a un problème. Donc, si on fait un truc purement pragmatique, on prend les élèves du lycée Shell-Cher, on les met dans les autres, ça veut dire qu'on comble un vide, et puis on rase ça, et puis on fait autre chose avec. Et on le reconstruit pas. Donc, c'est ça la vérité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois choisir le pragmatisme. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des gens qui vont dire « Oui, mais on tue l'esprit du lycée Shell-Cher. » On rase une partie de l'histoire de la Martinique, etc., etc. Bon, Gabriel, mais c'est ce que j'allais dire justement. D'accord. Dans ce pays, on a une manie, on a peut-être un défaut. Est-ce que c'est par catharsis? On a tendance à effacer l'histoire. Ah ouais. Bon, le lycée Shell-Cher n'a pas été créé lorsqu'on a construit le bâtiment sur la corniche. Saint-Pierre. Le lycée Shell-Cher ça donne Saint-Pierre. 1902. Saint-Pierre disparaissant, le lycée est transféré à Fort-le-France. Il y avait le petit lycée, il y avait le grand lycée Shell-Cher. Le lycée Shell-Cher était le lycée d'enseignement général de la Martinique. Il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois, il n'y avait qu'un seul. Le lycée d'enseignement laïque obligatoire et gratuit, c'était le lycée Shell-Cher. Avant le pensionnat colonial. Donc avant les jeunes filles. Le pensionnat colonial est arrivé après. Pensionnat Gonègue était lycée de jeunes filles, lycée de Bellevue. Et on va me dire, oui, mais le pensionnat, on l'a tué, on l'a fait lycée de... Mais le pensionnat, c'était le pensionnat colonial, et c'était le lycée de jeunes filles qui montait à Bellevue. C'était le lycée de jeunes filles. La question, c'est que le bâtiment du CGHR, on l'abat, on le reconstruit, ça pose aucun problème.
La vraie question est, quand j'entends aujourd'hui qu'il y a un débat, il y a Carl Paolo qui nous a envoyé une tribune à force d'en débrouiller, il faut faire autre chose avec le lycée Chachère, avec le bâtiment. Donc en fait, le lycée Chachère n'a plus besoin. Ce que vient d'expliquer Eddy. Donc moi, j'ai un problème là, j'ai un problème sur le patrimoine de la Martinique. Est-ce que le patrimoine est voué à disparaître? Le lycée Chachère a moins d'élèves. Les choses sont simples. Il y a un moment de la courbe démographique qui était telle qu'il a fallu construire des lycées un peu partout, dont les lycées dans le sud, les lycées du Lamantin, les lycées à Cajou, etc. Et quand, en plus, comme il y a une modification de la carte scolaire, c'est que le lycée Chachère, qui est un lycée de garçons, est devenu un lycée mixte. Mais aujourd'hui, la carte démographique de la Martinique, par une baisse de naissance, fait qu'il y a beaucoup moins d'élèves en lycée, donc il y a beaucoup moins d'élèves au lycée général, au lycée Chachère. Le lycée Chachère a une problématique de consolidation des bâtiments. Il n'a pas une problématique forcément d'effectifs ni de l'enseignement. Il a une problématique de consolidation. Alors, est-ce qu'on doit faire disparaître le lycée parce qu'il faut abattre les murs ou reconstruire? En tout cas, en faisant des enfants, pour repeupler la Martinique. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est que, en l'état actuel des choses, les projets qui existent, c'est un, reconstruire les Seychelles pour répondre à la problématique d'un risque majeur, quand même. Parce que les mêmes qui protestent, si jamais il y avait simplement une plaque de ciment qui est égratignée à deux enfants, on dirait que les responsables n'ont pas fait leur travail. Oui. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en attendant, quelle option? Et la deuxième décision qui est prise, c'est que, en attendant, l'unité pédagogique du lycée reste entière. Et même si on va essayer de répartir les différents enfants dans différents sites, et c'est sur ce problème-là qu'il y a encore des interrogations. Je pense qu'il y a des interrogations, mais qu'un comité de pilotage a été créé, avec le rectorat d'ailleurs, hein, qui est d'accord avec cette option d'ailleurs. Hein. Ben, faute de grève. Bon. Et qui. Non mais. Bon. Qui joue le jeu. Et donc le problème, c'est d'affiner ce projet, de trouver un consensus sans démagogie. Je dis bien sans démagogie. Parce que il faut arrêter de dire qu'on veut détruire le lycée Chachère, le patrimoine, parce qu'on n'aime pas Victor Chachère, etc. C'est pas vrai. – D'accord, ce n'est pas une histoire de Chachère ou de Fanon, d'accord. – Alors... on essaie de ressortir ce vieil argument, le lycée Chachère est doit être reconstruit. Voilà. – Bien, résultat de l'enquête… – Si c'est Michel qui nous le dit, pas de souci. – Oui, il est bien placé. Résultat de l'enquête emploi 2015 de l'INSEE, oui. Est-ce que vous avez analysé ça? Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles pour nos amis martiniquais et martiniquaises? Est-ce que l'emploi est pas dans… On recrute, est-ce que le fond... Alors. Parce que c'est ça, en fait. Est-ce que c'est mon cas de travail? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. J'ai lu cette enquête. Je n'ai pas eu le temps de l'étudier, mais enfin, en gros, elle prolonge les résultats de l'enquête précédente de 2014. Avec une nouvelle méthodologie, c'est une enquête en continu. Mm-hmm. Ce qui veut dire, la première chose, et on a eu un débat pendant les élections, sur l'interprétation de ces chiffres, c'est que le taux de chômage, qui était aux alentours de 23%, avec cette méthode, est un peu moins important, il est de 19%. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... Et quand on calcule, quand on recalcule, l'INSEE, elle n'a pas repris pour cette note, mais la dernière fois, elle l'avait repris, quand on recalcule le taux de chômage suivant la méthode ancienne, on trouve des taux de chômage supérieurs. Ouais. Bon, autrement dit, le taux de chômage. Le deuxième élément, et pour la première fois, ce que j'ai noté, pour la première fois, l'INSEE reprend un argument que je, modestement, que j'ai été un des seuls à reprendre depuis déjà au moins deux ans, c'est que la baisse du nombre de demandeurs d'emploi n'est pas liée précisément à ce que tu disais, nécessairement aux créations d'emplois, mais au fait qu'il y ait moins de demandeurs d'emploi, parce que l'élément de la démographie, la baisse de la population, et là, il y a une baisse de la population active. Bien. Bon. Et à l'exode. Il y a l'exode. Il n'y a pas seulement l'exode, il y a le fait qu'il y a moins de jeunes. On a dit qu'il y a moins de lycéens, donc il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Voilà, c'est tout. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de jeunes qui ont trouvé un travail. C'est ça. Alors, on va quand même. Alors, allons jusqu'au bout, parce qu'il faut quand même bien indiquer quelles vont être les conséquences
à moyen terme, c'est-à-dire moins 5-10 ans, la Martinique va se retrouver devant la situation suivante. Une augmentation tendancielle du nombre d'emplois offerts. Sans ressources humaines qualifiées en face. Pour les compenser. Donc, il va falloir... Ça a déjà commencé. Donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir faire ce qu'on a fait en 1960. Faire venir du monde. Soit vous dites, Panimoun, nous avons fait moun vini. Soit vous dites, bon, nous avons fait monter à un niveau à peu près, et puis nous avons embauché. Parce que ce qui s'est passé quand on a créé la classe sociale des fonctionnaires, c'est que tu avais à peu près le diplôme. On te faisait faire 3 mois de test. Notamment dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale. Et puis on t'envoyait enseigner. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va arriver. D'accord. Fatalement, c'est ce qui va arriver. Alors, c'est ce qu'essaie de résoudre. D'ailleurs, bon, nous parlions du débat d'orientation budgétaire. C'est là qu'il faut avoir des orientations en matière, donc, à la fois d'apprentissage, de formation professionnelle et d'éducation. Y compris au niveau du supérieur, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de former des personnes, on aurait dû le commencer bien avant, parce que la crise démographique. Les démographes, depuis 10, 12, 15 ans, non mais Michel, quand tu dis on aurait dû le commencer bien avant, qui devait faire ça? Tout le monde. La responsabilité de qui? Tout le monde, depuis 98. Les pouvoirs publics, alors il y a les pouvoirs publics. Dans les pouvoirs publics, il y a des choses qui sont de la responsabilité. En matière d'enseignement, malgré tout, les programmes, même si les collectivités participent, c'est l'occasion de rappeler un certain nombre de choses, quand même. Les programmes, etc. La politique éducative, c'est quand même l'État. Oui. D'abord. Bon. Même si les collectivités peuvent apporter des corrections, des incitations, etc. Bon. Par contre, les collectivités ont, depuis la décentralisation, une responsabilité essentielle, ce qui est la formation professionnelle. Donc, autrement dit, la formation initiale, si on peut aller... dire les choses. C'est l'État. C'est l'État. Et la formation continue des personnes, la reconversion, etc. C'est et aussi l'apprentissage, c'est-à-dire, en fait, le fait qu'il y a un certain nombre de gens, en gros, je vais me faire échapper. Non. Les gens qui ont décroché, il faut quand même leur donner des possibilités de se rattraper dans notamment le cadre d'une deuxième chance. Et c'est ce qui se développe de plus en plus. Hein. Mais c'est là où il y a le plus de ressources. Ouais. En clair, un pays résout son problème, notre pays va résoudre son problème de chômage en prenant les gens qui n'ont aucune qualification et qui constituent à peu près 80% des demandeurs d'emploi et surtout les demandeurs d'emploi de longue durée, plus d'un an, et en disant à ces gens-là, écoutez, vous ne pourrez jamais trouver un emploi salarié minimal. Jamais. OK ? Si vous ne savez pas parfaitement lire, parfaitement écrire, parfaitement compter. Déjà ça. Donc on va monter ça. Et puis... Même dans la BTP. Mais au minimum. Partout. Hein. Faut au minimum. Les mecs, ils arrivent. Maintenant, on leur donne, on leur donne des trucs sur des écrans tactiles. Frère. On nous finit, dit ça. Ouais. Michel, d'accord. Alors, Gabriel, oui, je sais que... Non, c'est que... Des impératifs. Il y a des impératifs. Mais je voudrais quand même que tu me donnes ton avis sur la destitution éventuelle de la présidente brésilienne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça rappelle pas vrai, là, tu m'as fait enjamber l'océan Atlantique. Oui, oui. Ça nous bâtit de... Bon, on reste là. Non, non, tu as fait une escale à Cayenne. Voilà, mais je voulais pas... J'ai même pas vu qu'on a fait une escale à Cayenne. Je voulais pas te laisser partir sans parler de ce truc-là. Madame Rousseff, bon, ceci étant, c'est... Un... Le Sénat n'a pas encore voté, ça s'est dit. On va peut-être remettre des gens ensemble. L'Assemblée nationale, la Chambre des députés brésilienne s'est prononcée à une très forte majorité pour enclencher le processus de destitution de la présidente. Le Sénat va se prononcer dans un mois à la majorité simple. L'Assemblée nationale, c'était la majorité absolue des membres. Le Sénat va se prononcer à la majorité simple. Si le Sénat se prononce à la majorité simple, le processus sera enclenché, c'est-à-dire que déjà, elle sera suspendue de ses fonctions pendant 180 jours maximum. Suspendue de ses fonctions. C'est-à-dire que pendant 180 jours, le temps que la procédure soit en place, si la procédure aboutit, 180 jours, elle ne peut pas signer le moindre acte ou diriger quoi que ce soit. Mais elle reste présidente. Elle est suspendue de ses fonctions. Ouais. Il y a un président par intérim qui s'est installé. Ouais. Lequel président par intérim se trouve être
son vice-président. Son vice-président. Son vice-président. Son vice-président. Pourquoi aller vite, là non, mais... Pourquoi aller vite? Je veux dire, donc, on remet les choses en place. Alors, attends, incroyable, ça. Non, mais alors, ma paragraphe en rond. Non, mais c'est pas rond, c'est en bas, c'est en ligne droite. Oui, pour ceux qui nous écoutent. On va en ligne droite. Pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il a remplacé par son vice-président? Lequel vice-président est du parti du centre? Lequel parti l'a lâché en vaste campagne et a voté pour sa destitution? Ouais. Bon. En fait, pour aller jusqu'au bout, la destitution serait effective qu'une fois que le Sénat se prononcera à la majorité absolue de ses membres pour sa destitution, et dès lors, elle ne sera plus présidente, il y aura un nouveau président qui sera désigné par le Parlement. Mais ça, c'est dans 6 mois. C'est 6 mois après. Qu'est-ce qui motive? Quelle est la réalité des choses? Le processus de destitution a été enclenché par qui? Par l'opposition. Et notamment par le président de l'Assemblée nationale du Brésil. Lequel président de l'Assemblée nationale du Brésil a une pancarte de corruption dans le dos de l'affaire Pedro? Comment est-ce en ligne droite, mon gars, allez, pas en rond. Bon. OK? Ce monsieur, une fois qu'il a eu cette pancarte d'accusation de corruption par l'affaire Pedro Basse, il a décidé d'attaquer la présidente. Il a attaqué sur quoi? Sur une écriture comptable en disant une faux écriture publique en français. Bon, le Brésil est à notre niveau. Il se trouve que ce qu'elle a fait pour cacher des résultats pour lui permettre d'être réélu présidente, il se trouve que cette pratique qu'on lui a reprochée était courante par la plupart des présidents. À certains niveaux, mais le hasard veut que ceux qui aujourd'hui ont voté sa destitution, les 3/4 de ces gens qui ont et les plus principaux, ont tous un petit passage devant le juge pour corruption, ou tentative de corruption, ou trempage de corruption dans l'affaire. Ça s'appelle le coup d'État institutionnel. Le qualificatif qu'a utilisé Mme Rimers. Mais n'empêche que. Qui existe aussi en Venezuela. Michel, pour lequel nous parlons ici en Martinique. Michel, m'a fini. Vas-y, fini, Gabriel. Il parlait d'un bail qui est impossible. En Martinique là, ça mérite d'être développé. Hein, mais vas-y. C'est impossible. Attends, termine sur le Brésil. Alors, cela veut dire que aujourd'hui, ce pays-là, dans 6 mois, parce que la vitesse à l'allure, ça va, et la façon dont les épaules se passent, Mme Roussel sera destituée. On peut commencer par pronostiquer qu'elle sera destituée malheureusement pour elle. Destituée par son opposition, qui était minoritaire au moment des élections présidentielles et minoritaire au moment des élections législatives. Donc, sur le qualificatif de coup d'État institutionnel, les minorités en voix et en siège, à un moment, se retrouvent majoritaires sur une problématique liée à un dossier de corruption par un groupe donc, BTP important. Je comprends la phrase et peut-être la crainte de Michel. Alors. La différence, c'est qu'à la Martinique, il ne peut pas avoir la même chose, ce ne sont pas les mêmes cadres, ce ne sont pas les mêmes institutions, c'est autre chose. Les tensions sont la même. Les modalités sont différentes, nous sommes d'accord. Les modalités sont différentes. On peut poser la question à Michel. Oui. Non, allons plus loin. On a vu que ça a été possible au Brésil qu'à travers une trahison. Oui. Qui va trahir Michel. Comme, effectivement, tu as raison, Michel, si coup d'État individuel possible à Martinique, qui va trahir? Bon, alors ce que je veux simplement dire, c'est que il y a le point commun, mais les modalités, je répète que les modalités sont fondamentalement différentes, le contexte est différent, mais la volonté, c'est de combattre un résultat acquis par le suffrage universel par d'autres procédés. OK? Bien. C'est cela. C'est ce en quoi il y a un point commun. Mais pour revenir. Michel, qu'en 2010, c'était exactement le même. C'était exactement le même. Alors, par contre, ce que je voulais ajouter. Alors, pardon, Michel, juste pour que les téléspectateurs comprennent bien, sur le journal Justice. Tout à fait. Hein, dans les kiosques. Il y a un article signé par. Il a l'air de découvrir. Oui, oui. En nous pas laisser voler Victoire Pepla le 13 décembre. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et mais comment on peut lui voler la victoire à ce peuple? En faisant quoi? Qui est-ce qui va trahir vraiment? Non, je ne sais pas. Non. En créant des obstacles pour empêcher la collectivité de travailler. C'est ça. Et en essayant de multiplier les obstacles pour empêcher l'équipe nouvelle qui rencontre effectivement une situation exceptionnelle, complexe, de pouvoir avancer.
C'est ça. Là. C'est ça que ça veut dire. En fait, le slogan de Michel, ça va bientôt être « Bah, nous, on chance bah, ». Laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Mais pour, non, mais revenir, pour, fait... revenir au Brésil, pour revenir au Brésil quand même, il y a un risque d'affrontement parce que je viens de lire que la présidente est loin d'avoir abandonné le combat, qu'elle a décidé de dénoncer précisément l'aspect, le passé, les manœuvres de ceux qui veulent la battre, et en particulier leur implication dans des scandales de corruption, et surtout, elle retrouve le soutien des paysans sans terre, des syndicats, de toute une série de forces qui s'est un peu éloignée du Parti des travailleurs. – Ce qu'on portait lui là, parce la présidence. – Voilà, parce que les gens étaient un peu déçus de la politique du Parti des travailleurs, qui à la fin s'était quand même rapproché d'une certaine politique néolibérale, pour bien le dire. Hein. Bon, eh bien… toute une série de forces vives se sont rapprochées de son camp et sont décidées à ne rien laisser faire. Donc, ils risquent d'avoir un affrontement dans la rue. Un affrontement dans la rue. Bon, il y a quand même une tradition de la corruption dans ce pays qui est quand même endémique, qui est structurelle. Ça fait partie de l'ADN du Brésil. Ouais. Faut quand même pas l'oublier. Mmh. Et puis, il faut quand même rappeler que c'est un pays qui a été pendant des dizaines d'années sous le joug d'une dictature militaire. Voilà, voilà. Donc voilà, bon, le Brésil, c'est pas une démocratie florissante. Hein. Et puis c'est un énorme pays. Pour tenir une démocratie dans un pays comme ça, où ça reste quand même un pays pauvre, il faut quand même le rappeler. C'est pas les États-Unis, le Brésil. Hein. C'est puissant, parce que c'est un pays peuplé, c'est un pays riche potentiellement, mais ils sont encore en gestation en matière démocratique, ils sont encore... en matière de respect des droits de l'homme, je veux dire le Brésil, quand vous allez dans le Nord-Est et puis qu'un grand latifundios considère qu'un paysan l'emmerde, une balle et puis c'est fini. C'est ça la réalité du Brésil aujourd'hui. Hein. C'est pas, on n'est pas, faut pas. C'est une jeune démocratie. Ah ben... Il y a une oligarchie puissante qui n'a pas accepté les réformes relativement modérées faites par le Parti des travailleurs. Qui essaie de prendre sa revanche. Et parmi les opposants, Dilma Rousseff, lui là, il a quand même fait oui, beaucoup, il a fait beaucoup de choses. Bien sûr. Bon, il se trouve que le pétrole, par exemple, c'est un peu ce qui se passe au Venezuela. Le retournement des cours du pétrole fait partie des défis qu'affrontent ces pays parce qu'ils avaient basé leurs programmes sociaux sur les ressources du pétrole et des matières premières. Mm-hmm. Bon, et comme ce ne sont pas des pays qui ont développé une industrie à la transformation des matières premières, qui dépendent encore des ressources primaires, comme on dit, des ressources primaires, la baisse du pétrole et des cours des matières premières ont entamé les programmes sociaux. Ouais. C'est ça. À tel point que... Donc, d'où une ouverture. Pourquoi des forces antidémocratiques, je les appelle comme elles sont, essaient de faire ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel, parce que la voie des coups d'État militaire est bouchée, mais on retrouve des anciens putschistes derrière les partis ultra-conservateurs, notamment le petit bébé, le fameux vice-président de Dilma Rousseff. Très bien. Alors, la réorganisation des heures d'ouverture des pharmacies, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Tu veux nous provoquer? Non, non, mais c'est... Ouais. Ouais. Comment on va faire? Comment on va gérer ça? C'est... Bah, je pense que l'ARS essaie de faire son travail, c'est-à-dire que de reconstruire un service de garde, d'après ce que j'ai compris, c'est que les services de garde étant désorganisés, un certain nombre de pharmacies sont entrées dans le créneau en ouvrant à des horaires non traditionnels pour récupérer une clientèle qui a besoin de s'approvisionner. Ben oui. Et les gens sont bien contents de retrouver la pharmacie des Croix-Missions, la pharmacie qui était ouverte. Bon, mais en même temps... Il y en a qui ont dû porter plainte, à mon avis. Et dans les horaires... mais ça ne couvre pas la totalité des horaires où... devrait être couvert par une véritable garde. Ouais. Donc là aussi, c'est comme vis-à-vis des médecins libéraux, il faut que l'État fasse son travail. Il faut que l'État fasse son travail. Ouais. La santé, ce n'est pas seulement une marchandise. C'est surtout pas une marchandise. C'est surtout pas une marchandise. Alors, cette dernière année d'Obama, là, il est en Arabie Saoudite, il a été à Cuba dernièrement, mais quelle trace vous pensez que Obama va laisser dans l'histoire
Ça a été quand même le premier président noir, ça c'est clair. Ce sera le président qui aura réconcilié l'Amérique avec Cuba. Oui, pas que ça, pas que ça, pas que ça. Non, je pense que Obama a changé en scène l'analyse en deux. Politique intérieure, politique extérieure. Oui. Mm-hmm. Politique extérieure, Obama a changé l'image des États-Unis, l'image interventionniste à tout craint. Ça, bon. Et il compose quand même avec l'oligarchie militaire, avec les tenants de l'industrie, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Bon, le truc où il faut faire des guerres pour pouvoir vendre des avions et vendre des armes. Bon. Mais, comme on l'a vu, il a renoncé. Bush aurait été en Syrie. Hein. Bush aurait été en Syrie, Bush aurait été en Libye, Bush ne serait pas sorti de l'Afghanistan. Il n'aurait pas évacué les gens de Guantanamo, enfin, bon, etc. Il aurait continué en Irak. Bien sûr, bon, ouais. Etc. Il n'aurait jamais été à Cuba. Il n'aurait pas permis ce qui est en train de se passer au Venezuela. Il aurait fait une intervention, à mon avis, encore plus poussée pour... Bon, bref, le truc classique, quoi, le Yankee classique. Bon, au moins, Obama a dit stop, ça suffit. Bon, la concession qu'il a faite aux militaires, c'est de dire, bon, globalement, je ne touche pas à votre budget, donc vous pouvez... continuer à acheter des armes, mais sans intervenir. Et d'autres autres concessions, bah écoutez, OK, on va faire une guerre sale. À une guerre sale, on va choisir plutôt une guerre propre, entre guillemets, en restant à la maison et en envoyant des drones tuer, éliminer physiquement les terroristes. Bon. Mais au moins... Il arrête l'interventionnisme systématique, la politique du bâton, etc. En politique intérieure, il y a un élément qui me semble fondamental, il ne faut pas l'oublier. Obama est celui qui a permis à des dizaines de millions de travailleurs immigrés, non, des travailleurs immigrés, d'avoir un titre de séjour, d'être régularisés. Mmh. Et ça, le Parti républicain ne l'a pas pris, mais du tout, parce que ces gens-là, vont constituer l'électorat et la nouvelle Amérique. Bon, déjà. Ouais. Et ça, personne ne l'avait fait avant lui. Personne. Mais c'est de l'hypocrisie, puisque tous ces gens-là utilisaient bien les clandestins pour pouvoir travailler. Oui, évidemment, évidemment. Ces clandestins étant dans une situation précaire, ça permettait d'écraser les salaires. Oui, puisque on leur disait, si tu gueules, on te vire, on te dénonce à la police. Okay, donc c'était de l'esclavage. Mmh. Et là, c'est fini, ça. En fait, c'est fini. En tout cas, pour une bonne partie d'entre eux, c'est terminé. Ce qui est un progrès social, considère, premier progrès social. Et ça, très concrètement, et les Républicains l'admettent, ça fait des dizaines de millions de travailleurs et de consommateurs, et ça permet de soutenir la consommation aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de problème de croissance, de chômage. – La dernière note du FMI, la semaine dernière, est intéressante. Bon, même s'il y a un tassement de la croissance, la croissance américaine... – Tout le monde voudrait avoir une croissance comme ça. – D'autour de 2,3-2,5%. – En Europe, tout le monde voudrait avoir ça. – En Europe, c'est 1,5%. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, et qui permet de battre en brèche totalement le discours nationaliste européen, qui est de dire, quand il y a plus d'immigrés, il y a plus de chômage. Puisque les immigrés viennent prendre aux États-Unis, il y a plus d'immigrés, il y a moins de chômage. Puisque c'est une force de consommation. C'est ce que Merkel a compris en disant, bon, laissez-les venir. Déjà, on a de moins en moins de gosses, laissez-les venir parce qu'il faut qu'on vende à quelqu'un. Bien sûr. Bon, donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est du Obama. Et c'est de la gauche, ça. Ça, c'est une politique de gauche. Et le deuxième, c'est la couverture sociale. La couverture sociale. Qui est aussi les villes où Obama a encouragé. Parce que beaucoup de villes. À New York, on vient de voter un SMIC. Oui, le SMIC. Le SMIC à 12,20 €. Oui. À 15 $. À 15 $. En Californie aussi. Donc mine de rien, la première puissance, n'en déplaise à Michel, la première puissance capitaliste du monde a fait trois choses qu'aucun pays socialiste européen n'a fait. Aucun pays n'a fait ça. Une augmentation massive du SMIC, une augmentation. Une régularisation massive, c'est quand tu régularises 15 millions de personnes du jour au lendemain, je peux te dire que c'est un impact considérable sur le plan économique. Et puis, couverture sociale généralisée,
Ça sent politique de gauche, les Républicains ne se sont avec, jamais remis. Il y a quand même des concessions au lobby des assurances. Au lobby des assurances, oui, quand même. Il a été obligé de... On ne peut pas gagner à 100%. À 100%. Alors, voilà ce qu'on va retenir de lui. Mais alors, par contre, sur la politique extérieure, au Moyen-Orient, il est, comme tous les présidents américains, il a été sous la coupe du lobby israélien et il n'a pas osé s'opposer à l'extrémisme de l'État d'Israël. En imposant, parce que seuls les Américains peuvent opposer à Israël, de passer un compromis avec les Palestiniens. Il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu. Il y a un élément qui a gêné ça. Parce que Obama était arrivé avec la force de conviction de le faire et l'appui des militaires. Parce que les militaires américains, ils commencent à être bouffés avec Israël. Très sincèrement, ils commencent à être bouffés avec Israël. Mais Obama, les Israéliens, le lobbying israélien est quand même assez puissant. Les Israéliens ont dit, bon, ok, d'accord, mais il y a l'Iran. Et là, Obama dit, bon, ok. Parce que l'Iran, ce n'est pas tant Israël. L'Iran, c'est l'Arabie Saoudite qui dit, alors là, frère, je préfère que tu continues à maintenir la pression sur les Palestiniens tant que les Iraniens nous menacent. Par contre, il n'y aurait pas eu l'Iran. Eh bien, ça fait longtemps que les Arabes auraient dit « Bon, maintenant, on règle le problème palestinien. » Parce que la problématique des sunnites aujourd'hui, ce n'est pas les Palestiniens. Ils s'en foutent complètement. C'est l'axe chiite, Liban, Syrie, Irak, Iran. Tu imagines le truc. C'est pourquoi le voyage, pour revenir à ton introduction, le voyage en Arabie Saoudite, c'est un peu pour apaiser la colère des Wahhabites, des princes saoudiens. Oui, parce qu'il n'a même pas été reçu, je crois, par un roi ou par un président. Hein. Je crois que c'est le second rang qu'il a reçu, hein, Obama. Oui, parce que Obama a quand même réintroduit l'Iran dans le jeu international en passant un accord sur le nucléaire. Et ça permet à l'Iran aussi de revenir sur le plan de la production de pétrole. Oui, ils ont multiplié par deux leur production. Bon, ce qui fait chuter les cours. Mais les cours qui avaient déjà été entraînés à la chute par l'Arabie Saoudite pour contrer la hausse de la production américaine à partir des schistes bitumineux. Ouais. Hein? Alors, tout ce que tu as dit sur Obama, les trois grandes réformes de gauche qu'il a pu réaliser, est-ce que ça a profité à Mme Clinton ? – Bien sûr. – Ah, bien sûr, oui. Parce que la réserve de voix qui augmente mécaniquement avec les plus pauvres, avec les immigrés qui sont régularisés, etc. – Ça va se reporter sur les démocrates. – Mais en plus, ils ont, malheureusement pour eux, les républicains, ils ont oublié de travailler à l'identification de successeur, au moins sur le plan idéologique, de George Bush. Ouais. Et ils se sont laissés cannibaliser par le Trump. Et, parce que Trump, c'est un épouvantail. Et moi, je soupçonne. Et le gars arrive, j'ai une vidéo, en finale, il va remporter les premières des Républicains. Ce qui est dingue, c'est que moi, je soupçonne très fortement l'establishment capitaliste qui gagne plus d'argent avec Obama qu'avec Bush d'alimenter le Trump pour gagner tranquillement les élections avec Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est pour. Business américain, c'est la voie royale. D'ailleurs, l'adversaire socialiste, Bernie Sanders, il le dit tous les jours. Et ce qui est quand même intéressant dans la démocratie américaine, c'est qu'on voit réapparaître une gauche américaine qui se revendique des idéaux du socialisme. Bernie Sanders, qui a 74 ans, a un impact extraordinaire parmi les jeunes. Ouais. Au point. En fait, c'est notre Alfred Marie-Jeanne d'ici. Non, je parle de 6 ans près. Non, je ne parle pas de là, je parle de l'impact. Dans l'impact, oui. Il a fait naître un espoir extraordinaire dans ce qu'on peut appeler la gauche américaine, qui avait idéologiquement, en tout cas, baissé les bras. Oui, tout à fait. Mais attendez, la gauche américaine, ça n'existait pas. Oui, il y a deux partis de droite. Il y a une gauche aux États-Unis, on les appelle les libéraux. C'est une gauche généralement qui était surtout forte dans les milieux universitaires, mais pas dans les milieux populaires. Et puis, il y avait aussi une gauche quand même syndicale, qui avait été un peu anesthésiée par le glissement à droite, disons, du Parti démocrate. Ouais. Hein et puis le macartisme. Etc. Et c'est cette gauche-là qui, dans les villes en Californie et en New York, a fait campagne pour l'augmentation et l'instauration du SMIC. Ouais.
Ouais, d'accord. Et donc, Clinton aura besoin, si elle veut passer, de l'appui de cette gauche. Mais il y a un élément sociologique et démographique et ethnique quand même qu'il faut bien étudier. Les États-Unis, électoralement, basculent progressivement à gauche, au centre-gauche et à mon avis à gauche tout simplement, parce que la composition ethnique de l'électorat change. Oui. Comme les Blancs sont minoritaires, de plus en plus minoritaires, ben, les Sud-Américains, enfin, ce qu'on appelle les Hispaniques, les Noirs, les Asiatiques et les Arabes, les Arabes, et puis de manière générale, on va dire, tous ceux qui viennent du monde entier et qui ne sont pas Blancs, considèrent que le conservatisme classique WASP, les Blancs anglo-saxons, on va dire ça comme ça, ne correspondent pas à la marche du monde. À la marche du monde. Donc on peut très bien se trouver face à, bon, dans une certaine mesure, il faut quand même relativiser, hein, à une Amérique qui est de plus en plus progressiste, mais sans renoncer à son leadership mondial. Ce qu'a fait d'ailleurs Obama, parce que son attitude, dans le même moment où il était à Cuba, où il faisait l'ouverture, il continue à déclarer que le Venezuela constituait une menace pour la sécurité des États-Unis. Ce qui est abusif. En quoi le Venezuela peut-il constituer une menace sur la sécurité des États-Unis? Surtout que les États-Unis achètent 2 millions de barils de pétrole tous les jours au Venezuela. Et c'est grâce à cette vente, notamment, que... Alors, pourquoi Obama dit ça? Parce qu'il faut qu'on le dise. Le Venezuela est quand même le pays qui a les plus grandes ressources mondiales en matière de pétrole. Voilà. Les plus grandes ressources sont au Venezuela. C'est tout. Et si les États-Unis avaient un pote à la tête du Venezuela, ça irait mieux. Eh ben, on arrive au terme de l'émission. Juste avant de finir, vous connaissez Prince? Vous avez entendu parler de Prince? Oui, bien sûr. Tu sais, nous, on est des aficionados, Purple Rain, etc. When the Doves Cry. Mais vous étiez plus Michael Jackson ou Prince finalement? Moi plutôt Michael Jackson. Plutôt Michael, moi plutôt Prince. Ah bon? Ouais. Mais bon. Michael Jackson est plus génial dans la danse. Oui. Ben merci beaucoup. C'est des nègres quand même. Oui, mais c'est des beaux costauds. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se quitte cette semaine sur un des morceaux de Prince pour lui rendre hommage, puisqu'il s'en est allé là. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez choisi? Ils ont choisi, les petits jeunes là ont choisi dans le Nodal. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont choisi parce qu'ils sont tellement jeunes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pas connu Prince. On va voir. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus d'éclairer le peuple martiniquais par vos interventions. Merci, merci à vous, merci infiniment. Allez, c'est parti pour Prince et à bientôt. In the purple rain, that's all right, come on y'all, purple rain, oh yes, don't it feel good?